Bonjour mes élèves, je me présente Fatih Zeribi. Je vais continuer le chapitre des statistiques, séance numéro 3. Dans cette séance, on va étudier l'ajustement non affine d'une série double. Activité numéro 1, ajustement polynomial. Le tableau suivant donne l'évolution des salaires nets en indice de Bassan en 2010 dans un pays industrialisé. Les années considérées 2010, 2011 jusqu'à 2017. Le rang de l'année 2010 a pour rang 0, 2011 a pour rang 1 jusqu'à 2017 qui a pour rang 7. Y, les indices 100, 97,6 jusqu'à 107. Premièrement, on va représenter la série double XY dans un repère orthogonal. Petit b, un ajustement affine est-il justifié? On se propose de faire un ajustement par une fonction polynôme de la forme f de x est égal à x au carré plus bx plus c. Pour déterminer a, b et c, on vous donne f de 0 est égal à 100, f de 5 est égal à 100 et f de 7 est égal à 107. Puis on va construire la courbe de la fonction f ainsi obtenue dans le repère précédent. Petit c, à l'aide de cet ajustement, calculer la prévision de l'indice des salaires en 2022. Nuage de points. Voilà les points. 0, 100. 1, 97,6. 2, 96,8. 3, 98,4. 4, 98,3. 5, 100. 6, 103,3. 7, 107. Vous remarquez que le nuage de points forme une parabole. Donc, les points de nuage sont allongés autour d'une parabole. Donc, l'ajustement affine n'est pas justifié. Pour cela, on se propose de faire un ajustement par une fonction polynôme de la forme f de x est égal à x carré plus bx plus c. Donc, vous avez une parabole. Alors, l'équation qu'on propose de le faire, c'est de la forme ax carré plus bx plus c. On a f de 0 est égal à 100, alors c est égal à 100. F de 5 est égal à 100, alors on obtient 25a plus 5b plus 100 est égal à 100. Si on remplace x par 5, vous obtenez 25a plus 5b plus 100 est égal à 100. Après simplification, 100 et 100, on obtient 25a plus 5b est égal à 0. 100 et 100 s'enlèvent. Alors, 5b est égal à moins 25a. On divise par 5, le premier terme et le deuxième terme. On obtient b est égal à moins 5a. Troisième, f de 7 est égal à 107. Alors, on remplace x par 7. On trouve 49a plus 7b plus 100 est égal à 107. Après simplification, 100 et 107, on trouve 49a plus 7b est égal à 7. 107 moins 100 vous donne 7. Vous remarquez que 7 se trouve dans les trois termes. Alors, on peut diviser par 7 la première, la deuxième valeur et la troisième valeur. On obtient 7a. 49 sur 7 vous donne 7a. 7b sur 7 vous donne b. 7 sur 7 vous donne 1. En remplaçant b par moins 5a, on obtient b par moins 5a,
on obtient 7a-5a est égal à 1. Alors 2a, 7a-5a est égal à 2a, est égal à 1. D'où a est égal à 1/2. Et si on a trouvé a, on peut calculer b, puisque b est égal à moins 5 fois a, c'est-à-dire moins 5 fois 1/2. Alors b est égal à moins 5 sur 2. Donc finalement, on a trouvé 100, c est égal à 100, on a trouvé a est égal à 1/2 et b est égal à moins 5/2. Donc l'équation de f de x est égale à 1/2x au carré, moins 5/2x et plus 1. On va construire la courbe de la fonction f dans le repère précédent. L'équation f est égale à 1/2x au carré moins 5/2x plus 100. C'est la forme d'une... La courbe de f est la forme d'une parabole. De sommet s moins b sur 2a, la valeur de b est égale à moins 5/2 et la valeur de a est égale à 1/2. Alors la somme a pour coordonnées moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Tout calcul fait, on obtient s a pour coordonnées 2,5, 96,875. Et on va prendre des valeurs. En remplaçant x par 1, on trouve f de 1 est égal à 98. En remplaçant x par 2, on trouve 97. F de 3 est égal à 97. Et f de 6 est égal à 103. Alors, la courbe de la fonction f est de la forme d'une parabole. À l'aide de cet ajustement, calculer la prévision de l'indice des salaires en 2022. En 2022, on a x est égal à 12. Donc, on doit calculer y qui est égal à f de 12. C'est-à-dire, on va remplacer x par 12. Vous obtenez 1/2, 12 au carré, moins 5/2 fois 12, plus 100. Alors, on trouve 142 comme indice. C'est-à-dire, l'indice en 2022 est égal à 142. Activité 2, ajustement logarithmique. Dans 5 villes, on a relevé le tableau suivant. X et Y. X, le nombre de guichets bancaires automatiques. Et Y, le nombre d'agences bancaires. Voilà les valeurs. Et Y, le nombre d'agences bancaires, 239-250. Dans le repère suivant, on a tracé le nuage de points. Nuage de points, voilà les points. La courbe C d'une fonction F, voilà la courbe C de la fonction F. Une droite AB, avec A de coordonnées 175-168 et B a pour coordonnées 1540-250. Et c'est la droite AB. À l'aide du graphique, quel est le meilleur ajustement C ou AB par rapport au nuage de points? Vous remarquez bien que la droite AB passe seulement par A et B. Tandis que la courbe C de la fonction F passe par la plupart des points du nuage. Donc, l'ajustement C est le meilleur par rapport au nuage de points, puisque les points du nuage sont allongés autour de C. On pose grand X est égal à ln de X. Toutes les valeurs arrondies au centième. On va compléter le tableau ci-dessus. On va calculer ln de x, ln de 175, etc. Puis, on va donner une équation de la droite de régression de y en x, de la série xy, sous la forme y est égal alpha x plus bêta.
en déduire une relation entre x et petit x et y. Troisièmement, à l'aide de cet ajustement, donner une estimation du nombre d'agences bancaires pour une ville comptant 2020 guichets automatiques. Un peu de réflexion, si vous voulez. Prenez les cahiers des stylos. Travaillez, si vous voulez, avec moi. Vous recopiez le tableau. Calculez ln 275 et complétez le tableau. ln 2040. ln de 1540. Puis, à l'aide des calculatrices mode 1-1, 175 est la valeur trouvée, 245 est la valeur trouvée. Vous donnez l'équation de la droite de régression de y en x, c'est-à-dire vous allez déterminer alpha et bêta de la série xy. Y est égal à alpha grand x plus bêta. On passe à la correction. Voilà, ln de 175 est égal à 5,16. Ln de 145 est égal à 5,5. Ln de 540 est égal à 6,29. Ln de 1040 est égal à 6,95. Ln de 1540 est égal à 7,34. On va déterminer une équation de la droite de régression de y en x. Mode 1-1, 175, taux 5,16, M+, et ainsi de suite. Puis, RCL B, pour trouver alpha, est égal à 35,15, et RCL A, on trouve bêta, est égal à moins 5,23. Donc, la droite de régression, Y en X, est d'équation D, Y est égal à alpha grand X plus bêta, dans un repère orthogonal. On remplace alpha et bêta par ces valeurs. Donc Y est égal à 35,15X moins 5,23. On déduit une relation entre X et Y, petit x et Y. On a grand X et petit x. Alors, on remplace grand X, cette valeur grand X, par ln de petit x. On trouve y est égal 35,15 ln de petit x moins 5,23. On a bien défini une relation x et y, petit x entre x et y. Deuxièmement, on va déterminer à l'aide de cet ajustement une estimation du nombre d'agences bancaires pour une ville comptant 2020 guichets automatiques. C'est-à-dire, on remplace X par 2020, on obtient Y est égal. 35,15 fois ln de 2020 moins 5,23 est égal à 262,2. Donc, une estimation est 263 agences bancaires en 2020. Troisième activité, ajustement exponentiel. Le tableau suivant donne l'effet de la pollution sur la population piscicole d'une rivière de 2013 à 2018. On pose Z est égal à ln de Y, les valeurs arrondies à 10 puissance moins 2 près. Les années considérées,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. 2013 à Port-Rhin 1, 2014 2, 2015 3, jusqu'à 2018 6. En calcul, grand Z est égal à ln de Y, ln de 951,3 est égal à 6,86. Ln de 106,7 est égal à 4,67, etc. Ln de 9,4 est égal à 2,24. On va représenter le nuage des points MIXI ln de YI, c'est-à-dire Z, dans un repère orthogonal. On va calculer le coefficient de corrélation de RXZ et justifier que l'on peut procéder à un ajustement affine par les moindres carrés. Petit b, donner une équation de la droite de régression de Z en X, sous la forme Z est égal alpha X plus bêta, en arrondissant alpha et bêta au centième. En déduire, en utilisant l'égalité Z est égal ln de Y, un ajustement exponentiel de Y en X sous la forme Y est égal A fois exponentielle bx avec a arrondi à l'unité. Troisième question. On suppose que l'évolution de cette population se poursuit sur le même modèle. Donnez une estimation de la population de cette rivière en 2023. Le nuage de points MIXI ln de YI. Le nuage des points, voilà les points. On va calculer le coefficient de corrélation de RXZ et justifier que l'on peut procéder à un ajustement affine par les moindres carrés. Par la calculatrice mode 1-1 comme tout à l'heure, 1 sto 6,86. M plus 2 sto 4,63 M plus et ainsi de suite 6 sto 2,24 M plus. Puis on appuie sur RCL, R, on obtient moins 0,956. On a la valeur absolue de R appartient à l'intervalle 0,95-1, donc l'ajustement affine est justifié. Donnez une équation de la droite de régression de Z en X, sous la forme Z est égal alpha X plus bêta. Comme tout à l'heure, on appuie sur RCL B pour avoir alpha et RCL A pour avoir bêta. Donc, alpha est égal à moins 0,82 et bêta est égal à 7,10. Donc, l'équation Z est égale à moins 0,82x plus 7,10. En déduire en utilisant l'égalité Z est égal à ln de Y, un ajustement exponentiel de Y en X, sous la forme Y est égal à A exponentielle B fois X avec A arrondi à l'unité. On a Z est égal à ln de Y. On remplace Z par ln de Y dans l'équation précédente. Ln de Y est égal à moins 0,82X plus 7,10. Et pour déterminer Y, on applique l'exponentielle. Exponentielle ln de Y est égal exponentielle moins 0,82x plus 7,10. Exponentielle ln de Y est égal à Y, car la fonction exponentielle est la réciproque de la fonction ln. Donc, exponentielle ln de Y est égal Y. Et exponentielle moins 0,82x plus 7,10
est égal à exponentielle moins 0,82x fois exponentielle 7,10. On a utilisé cette formule. Exponentielle a plus b est égal à exponentielle a fois exponentielle b. Voilà, exponentielle a plus b est égal à exponentielle a fois exponentielle b. D'où y est égal, on calcule exponentielle 7,10, on trouve 1212 fois exponentielle moins 0,82x. On va donner une estimation de la population de cette rivière en 2023, d'après cette équation y en fonction de x. En 2023, on calcule x, on trouve x est égal à 11. On remplace x dans l'équation, y est égal à 1212 fois exponentielle moins 0,82 fois 11. On trouve 0,146. Puisque l'unité est en milliers, donc on multiplie la valeur par 1000, on dit qu'en 2023, le nombre de poissons ne dépasse pas 146. Alors, cette séance est terminée. Je vous remercie et à bientôt à la prochaine séance.